Anaïs, Henri, Maxence, Cécilien et les autres petits confiés aux assistantes maternelles de Tata Nounou semblent s'être parfaitement adaptés à la nouvelle structure de garde d'enfants proposée à Clairet. Elles sont trois professionnelles de l'enfance à s'être regroupées en une structure particulière et originale, ouverte depuis août dernier. On a mis ça en place toutes les trois et c'est vrai que vu les demandes sur un secteur comme Clairet et donc les environs, on n'a rien comme mode de garde à part des assistantes maternelles, il n'y a aucune structure. La prochaine elle est à Bar-sur-Seine, entre Bar-sur-Seine et puis il y en a une petite crèche à MBSL sur Ours. La maison Tata Nounou est pour l'instant une structure unique en Champagne-Ardenne. On doit être la troisième ou la quatrième à être ouverte officiellement. Je dis bien officiellement puisqu'on a une association qui s'appelle donc Tata Nounou hein, et qui nous permet de pouvoir ouvrir cette maison d'assistante maternelle. Le déficit de nounous, de structures d'accueil, de crèches dans le département a ravi Laurie, Sandrine et Marie-Jo, mais aussi les parents. Ils y trouvent un aspect familial non négligeable. C'est vrai qu'on n'est pas une crèche, on n'est pas à la maison, on est trois et il y a ce côté quand même rassurant, je pense, réellement pour les parents. C'est ce qui en ressort en fait quand on en discute avec eux. Marie-Jo a travaillé dans une école maternelle avant d'intégrer l'association. C'est son amour pour les enfants et le projet de Laurie qu'il a décidé à rejoindre la maison d'accueil de Clairet. On est surtout trois amis à la base. Et, on est bien complémentaires aussi, je pense. On est amis avant tout. Avec Sandrine, mon autre collègue, j'ai travaillé avec elle à l'école maternelle. Donc, on a un peu la même façon de travailler. Et pour être honnête, j'ai pas vraiment l'impression de venir travailler, justement. Les 9 enfants accueillis aujourd'hui à Tata Nounou ont pu bénéficier d'un local, l'ancienne poste, réaménagé par la municipalité de Clairet. Les parents des assistantes maternelles ont également mis la main à la pâte en participant aux travaux, à la décoration ou encore à l'aménagement des lieux. Tout le monde semble avoir pris ses marques depuis 2 mois et vivre plutôt bien les journées passées ensemble.